Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Dimanche qui s'en vient, bon, si vous écoutez ça un peu en retard, je parle du 9 juin. Le 9 juin, c'est le début des célébrations du centenaire de l'Église unie du Canada. Pour la petite histoire, en 1925. Des paroisses méthodistes, congrégationalistes et beaucoup de paroisses presbytériennes, pas toutes, mais beaucoup, ce sont, et des paroisses d'églises d'union, on les oublie souvent ceux-là, se ce sont mis ensemble, se sont créées une union. Elles sont devenues une nouvelle église unique au Canada. Et pour célébrer ce centenaire, ben, il y a beaucoup de projets pour marquer l'événement. Dans mon autre emploi, comme je dis, pas de pasta, mais de travail de bureau, je suis en charge, je pourrais dire, du projet pour interviewer sur Zoom 100 personnes. Vous voyez le concept, 100 ans, 100 personnes, clergés et laïcs, pour que ces personnes nous partagent leur expérience, leur mémoire, leur impression de l'Église unie du Canada. Le but de ce projet, c'est de créer un portrait, un Polaroid, un Snapchat, dépendant de votre génération, de ce protestantisme francophone en 2024. Jusqu'à maintenant, euh, la réception est bonne. Là, ça fait quelques semaines que je parle du projet pour... Essayer de convaincre les gens et ce n'est pas si difficile. Il y a des gens qui me disent Ah, oh, ça doit être beaucoup de travail. Eh, parce que la respiration est bonne, trouver les gens, ça va. Ce qui est vraiment difficile, c'est de trouver le moment, le rendez-vous pour le faire. En anglais, il y a une expression qui dit Herding cats. Euh, imaginez un groupe de cowboys dans l'Ouest euh, qui rassemble un troupeau pour le mener à quelque part. Ben remplacez le bétail, là, les, les vaches, par des chats. Puis essayez d'amener ça un groupe de chats tout en même temps à la même place. C'est un peu ça. <laughs> C'est un peu ça le défi. Euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans, ce que j'ai remarqué, c'est quand je présente le projet à des gens un peu partout, ils me disent ah oh, chanceux, j'aimerais ça faire des projets comme ça, puis ah oh, puis ok. Et ce que ça me rappelle, c'est que j'ai souvent entendu. Ces phrases-là, quand j'ai parti à un podcast, par exemple, quand j'ai commencé à faire du ministère numérique sur les euh, plateformes des réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook, TikTok, même quand je suis par parti Sainte-Claire, une communauté de foi exclusivement sur Internet. Et ce que j'ai le goût de répondre quand on me dit des paroles comme ça, c'est Bon, merci, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire quelque chose. Là de débuter un projet, euh, pas faire exactement comme moi parce qu'on est des personnes différentes, mais trouve quelque chose qui t'inspire puis fais-le mais rien qui t'empêche. Je pense qu'avec tout ce discours de déclin de l'Église, de la mort de l'Église, on entend ça là. Euh, on fait, les gens font des courbes là de, de de diminution, de, de participation, puis là, ils, ils continuent le modèle mathématique, puis qu'ils disent, bon, en 2000, je sais pas moi, 2032, on est fini, il n'y a plus personne. On les a entendus ces choses-là. Et à force d'entendre ça, je pense qu'il y a une espèce de climat de, de peur, un climat que c'est rendu difficile d'innover, difficile de prendre des risques, parce qu'on a peur d'avoir l'air fou, on a peur de l'échec. On a peur de sortir des sentiers battus. Mais on le sait, on le sait très bien que le modèle actuel, d'aller dans une, comme j'appelle ça, une paroisse un bâtiment, un pasteur ou un curé, ou en tout cas un membre du clergé, là, ça vit sur du temps emprunté en Occident. Je ne veux pas dire qu'il faut tout jeter par la fenêtre, il faut tout détruire. Mais par exemple, il faut se rendre compte que si on ne commence pas à explorer maintenant et mettre des ressources maintenant dans quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce qui va rester dans 20 ans? C'est toujours la même chose, on fonce vers le mur. Est-ce qu'on commence à mettre les freins? Est-ce qu'on commence à changer un petit peu de direction ou on attend à la dernière seconde en espérant qu'on ne rentre pas à pleine vitesse dans le mur? Je pense que, puis ça va peut-être paraître que je prêche par ma paroisse, mais je pense vraiment, au-delà de moi, qu'il faut donner un peu plus aux créateurs, aux innovateurs, leur donner des moyens. Puis je ne parle pas juste d'argent. L'argent, ça va, mais des fois, c'est de donner les coups des franches, de dire « Go, vas-y avec ton projet, là, puis euh, on va voir où est-ce que ça nous mène. Puis... Parce que des fois, c'est la pression de réussite, la pression de performance, la pression des chiffres. Euh, et des fois, c'est les petites remarques euh, plus ou moins intéressantes des gens qui n'aiment pas trop qu'il y a des, des collègues ou des gens qui sortent de, de, de l'ordinaire, qui dépassent, là, je pourrais dire. Il faut oser prendre des chemins différents. Et lorsqu'on le fait, ben, peut-être construire avec les gens qui justement ont sorti des sentiers. Euh, récemment, il y a eu une réunion d'église où euh, on, on invitait les gens à faire de nouvelles choses. Là. Merveilleux. Je regardais l'heure du jour, je me suis dit, bon, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens qui apprennent. C'est bien correct, il faut commencer à quelque part, y est! C'est juste que euh, les choses mentionnées, c'était bon, euh, faire de quoi sur Internet, euh, euh, utiliser les médias sociaux, partir un podcast. Est-ce qu'on m'a contacté? Non, non, non. T'as cherché d'autres gens qui n'avaient pas, euh, pas plus d'expérience que moi. Mais bon, nul n'est prophète dans son pays. Comme le disent si bien les Évangiles. Alors, mon message aujourd'hui, c'est foncez. Attendez pas les permissions. Attendez pas qu'on vous encourage. Si vous avez le goût d'essayer, bien, faites-le. Et si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas la fin du monde. Vous pourrez toujours vous dire que un, j'ai essayé, et deux, on apprend tout le jour. On apprend dans la réussite et, à mon avis, on apprend encore plus dans l'échec. Et un échec, parfois, c'est relatif. On essaie, on apprend. Peut-être qu'on ne se relance pas dans la même direction, mais on continue toujours notre vie. On continue au ministère avec tout le bagage qu'on accumule. C'est un peu ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Lâchez pas. À très bientôt. Bye-bye.